Ok, bonjour à tous, nous nous retrouvons sur le Skyblock Pixel. Donc aujourd'hui, il y a une mage sur iPixel comme on l'a dit hier. Alors aujourd'hui on est chez mes parents et du coup, voilà, actuellement ma chambre. Alors maintenant on a une nouvelle compétence les frérots qui s'appelle comme vous avez vu le bonus d'attaque. Donc qui peut passer de 0,5 à 0,2 au maximum. Je m'en rappelle plus trop des coups. Dis-moi tout ce qui est important. Nouveau reforge, nouvelle compétence, bonus d'attaque et plein de nerfs. Mais des nerfs qui vont être bénéfiques par la suite. Parce que, comme il le disait, c'est un nerf qui va impacter dès le début. Parce que vous allez arriver, si vous avez encore vos anciens stuff et tout ça, ça va impacter. Vous allez vous dire, putain, ça pue la merde. Mais si vous arrivez à avoir des nouveaux trucs et tout, ça va être terrible. Un nouveau dragon aussi. Oui, il y a un nouveau dragon. La mage est finie. Non, pas pour... Elle est ouverte, elle est finie, mais pas pour tout le monde. Les MVP Plus et les MVP Plus peuvent rejoindre pour l'instant. Et ça va arriver au fur et à mesure, là ils sont en train de tester. Ils sont en train de voir si les serveurs prennent bien en charge. Pour pas que ça sature et pour pas qu'il y ait une expérience de jeu dégueulasse sur le serveur. Donc c'est parti. Ah, j'ai vu aussi, attendez. Collection. Regardez, dans la collection d'obsidienne. Reforge Anvil. Let's go. Voilà. Ok, 4 stacks d'obsidienne, un truc, et normalement vous pouvez mettre quelqu'un. Ok, on va faire ça juste avant d'aller dans le lobby, les frérots. Ok, on va clairement faire ça. Dites que j'ai 4. Yes, j'en ai 4. 4 stacks de fer. Paf, paf, paf. Tac. Alors normalement, les gars. Oh, ça donne 21 000 de carpentry. Vache. C'est beaucoup en vrai, 21 000. Je sais pas où trop le mettre, ce truc-là, en vrai. Ok, on va le mettre ici. Oh, non. Trop bien. Regardez, on a un nouveau pote. Océane. Oh, ça va être trop bien. Oh non. Genre là, imaginons là je vais mettre mon armure en fierce. Je prends un peu de monnaie. Mets-moi ça. Ah. Mais attends, c'est... What the fuck? Ah d'accord, les... Ah ok, ok. Ok, Reforged Stone, placid and the stone, ok. Ah ok, ouais, non en fait on s'en branle. Go faire les reforges là-bas directement. Putain, je suis complètement teubé. Tac. Ok, bah déjà là, vous avez une Fairy Soul, les frérots. Donc, dès que vous arrivez dans le lobby, là, il y a une Fairy Soul juste ici. Je me disais bien que j'avais vu un truc violet. Ok, une première Fairy Soul. Je pense dans ce truc-là, doit en avoir. Quelqu'un fera sûrement une vidéo sur YouTube pour les montrer toutes. Au bout de... peut-être 2-3 heures. Je pense pas qu'il y en ait une au-dessus là. Là-bas, par contre, on dirait qu'on peut se mettre sur le... Ah, on peut se mettre sur le côté là. Ok. Ok. Ok, non, il y a rien. Ok, il y a rien. Pas au bon endroit. Eh merde. Putain, je me suis encore paumé. Alors maintenant on va essayer de le faire en retour arrière parce que j'ai l'impression de l'avoir trouvé. Enable. Ouais. Thank you.
Ok. Ok, j'ai trouvé. D'accord, le portail, mais au bout du portail. Non, pas sur le portail, mais sur la console. Ok, nice. Putain, ils les ont mis vachement près, je trouve. Tu l'as chopé, celle-là, sur la tête de Jerry? Oh, oh! D'accord. Oh putain, comment ça bug, mec. Ah, voilà. Il y a un petit délai sur ton stream. Ouais, il y a toujours du délai. C'est comme ça. Tu peux pas faire autrement. Non, ça va. Et il y a plus ou moins de délai si tu réécoutes le stream. Tac. Alors, c'était pas là. Par contre, le nouveau skin de la tarantula, bof. Bah, en fait, c'est pas le nouveau skin, c'est pas le nouveau skin, hein, frérot. C'est juste, ils ont dû changer l'ID du truc et du coup, bah, c'est plus le même. Ah, c'est du cuir maintenant. Non, je pense pas qu'ils vont laisser ça comme ça, ils vont remettre l'ancienne texture. T'as vu le pantalon? J'ai envie de me pendre les couilles. Oh, c'est très grave. J'ai réussi à fail ça, quoi. Putain, il y avait un petit saut à faire. Autant le tirer avec son script. Ah, elle est là. Elle est là, Proulx. Bah, je crois que je les ai toutes. T'en as 7? Ouais. Bah, c'est bon alors. J'ai les 7. Ah non, 6 sur 7. Putain, il m'en manque une. Et l'autre, c'est. Elle est où, Proulx, l'autre? Oh non, dis-moi pas que c'est peut-être une buggée du coup. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Tu vois? Ouais. C'est depuis le début aussi. Ah. Ouais, nice les lags. Hein. Ok, bah c'est celle-là que j'avais pas faite. Je l'ai pas trouvé. Merci. Et normalement, là, si je regarde. Voilà. Oh my god! Voilà, j'ai 7 sur 7. Merci beaucoup. Oh my god! C'est honteux! Comme une envie de me marteler les couilles après chaque jump que j'ai fait. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi dans les skills. Du coup, le dungeon skill, il est juste ici. Et puis bah vous améliorez vos donjons, dungeon skill. Et puis bah voilà, ça c'est le level de catacombe. Donc pour y accéder, vous allez là, donjon, the catacombe. Et là, c'est votre level en catacombe, tout simplement. Et regardez ce que ça fait. Increase the base stat of your dungeon item by 5%. C'est énorme, c'est énorme. Et après même ça augmente en plus. 6%, 7%. Bon, moi je pense que je vais vous laisser là du coup les petits potes. Merci à tous d'avoir suivi le live. Bref, moi je vous laisse les frérots. Merci à tous, au revoir, bonne soirée.